Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 40K Battle Sector avec l'Adeptas Sororitas. Et comme prévu, j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait mettre dans notre armée et ce qu'on pouvait améliorer au QG. Mais d'abord, il faut qu'on ait des points d'action, et donc pour ça, on va passer le tour et voir un petit peu ce qu'ils ont fait en face. C'est parti. Alors, l'orque. Il tente un assaut là-dessus. Ouf, il s'est fait défoncer. Mais du coup, il renforce direct. Mais il a pris qu'un seul point. Ok, très bien. Le Nécron. Il se bat ici. Il s'est fait défoncer lui aussi. Et il re-renforce. Très bien. Donc on a un petit ascendant en ayant pris deux cases du coup. On n'a pas pris notre case immédiate pour avoir un bonus d'armée. Et du coup, on pourrait éventuellement claquer un petit point pour aller chercher ce truc-là où il y a un bonus. Et peut-être ici derrière, mais ça n'a pas l'air d'être intéressant, on verra. Ce qui veut dire qu'on a le choix entre renforcer ou améliorer le QG, puisque dans les deux cas, ça nous coûte des points d'action. Alors, au niveau du QG, déjà, je vais vous dire, on avait pas mal de choix, notamment débloquer des nouvelles unités, mais j'ai envie d'aller chercher vite Foi et Fureur, qui est la compétence de nos sœurs supérieures, qui fait qu'elles peuvent, quand elles tuent des unités, gagner une nouvelle action et un boost de dégâts qui est quand même pas négligeable. Et la plupart des compétences qu'elles ont, les buffs qu'elles lancent, etc., pour améliorer les dégâts des alliés et compagnie, donnent plus de chances d'avoir Foi et Fureur qui se déclenche. Et en plus, pour la vous débloquer, il faut aller chercher la munition bénie pour les sorts de bataille, donc qui ne joue que sur les sorts de bataille, mais qui permet quand même d'augmenter les dégâts et la perforation d'armure, et on a vu que c'est vraiment ce qui nous manque. On va devoir faire avec les sorts de bataille pendant un bon moment, on en a beaucoup. Elles ont pas moyen d'avoir une autre arme que leur bolter de base. Donc je pense que les améliorer, c'est quand même très très rentable. Extrêmement rentable même, je dirais. Du coup, on va aller chercher ça et la foi et fureur. Voilà. Alors, on a la possibilité, hein, vu que ça nous coûte un point d'action à chaque fois, de ne pas le faire dès tout de suite et de claquer un maximum de points d'un coup, quoi. Mais là, j'ai envie d'aller chercher ça rapidement. Donc, on va se permettre un point d'action là-dessus. Et derrière, est-ce qu'on se tente un assaut là? C'est risqué. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un assaut là, qui devrait être, je pense, plus simple que le combat qu'on a là-bas. Et au prochain tour, on renforcera et on tentera un assaut là-bas. Je pense que celui-là, on peut se le faire. Ouais, 1250, on peut se le faire. C'est parti. Allons-y. Espérant pas tomber sur des. Unités totalement abuse. À 1250, ça peut, hein. Allez, jeu. Qu'est-ce que tu fais? Ok, parfait. Alors, on est sur une carte plutôt ouverte. Alors, on va regarder un peu. Non, on peut pas voir. Si là, on peut voir qu'on va jusqu'ici. Il y a du terrain devant. Il y a du terrain sur les côtés, donc si c'est comme tout à l'heure, il pourrait très bien y avoir des unités sur les côtés. Les Nécrons sont assez forts au corps à corps, mais ils ont également moyen de taper, comment dire, à distance avec leur espèce de petit sniper. Donc je pense qu'on va se déployer à ce niveau-là, en couvrant un peu les côtés. Donc là on a nos sœurs de bataille, les séraphines sont devant, le rhino on va le laisser derrière. L'hospitalière, on va mettre plutôt un petit arco-phalagellant devant. Et on est parti. On se déploie comme ça. Alors il faut qu'on en détruise 80 comme d'hab. Donc on va avancer avec eux jusqu'ici. On voit rien, très bien. Alors toi tu vas aller garder le flanc. Toi tu vas aller bien au milieu. On va mettre du flagellant, les séraphines.
encore du flagellant et derrière la ligne de front. Alors, un petit flagellant sur le côté ici, un petit flagellant sur le côté ici. L'hospitalière au centre. Et donc là, on a maintenant la munition bénie si on le souhaite. Hein. Toi, t'as un seul point d'action, on va te mettre là. Ok, c'est parti. Tuck, toi tu couvres, ici pareil. Vous couvrez s'il y a des gens qui s'approchent. On couvre devant, là on peut couvrir un petit peu plus loin. Là on n'a pas une grosse portée, donc on va se mettre vraiment en couverture devant. Par ici. Ça, ça change pas grand chose. La sœur supérieure, elle va surveiller ce flanc avec l'aide des demoiselles ici. Et toi, t'as quand même une bonne portée, tu vas viser là. Donc normalement, il nous reste plus que des arcs flagellants. Parfait, c'est parti, on y va. Et on va voir ce qu'on nous propose. Ok, ça arrive plutôt de face pour le moment. Bien de face. Ah, un peu du côté quand même. Ils sont à portée en plus, ces enfants. Aïe. Ouh, bah oui, ils arrivent même bien sur le côté là. Deux unités. Par contre, ça a l'air d'être du pur corps à corps. Du pur distance, pardon. Alors peut-être que pour les prochains combats, on restera défensif. Sans forcément avancer directement. Donc ça c'est du guerrier, c'est l'unité de base des Nécrons. Il gagne de l'impulsion après s'être déplacé 3 cases, d'accord, ok. Pourquoi pas. Intéressant. Alors là si on se pousse, ils ont 5 de mouvement, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, ils pourraient venir hein, ils pourraient venir si on n'est pas sur leur chemin. Là on est pour l'instant en surnombre pour ceux-là, donc il y aurait moyen de les défoncer. Surtout en allant au corps à corps. On va avancer avec un arc au flagellant, voir si on voit d'autres choses. On voit rien, parfait. On va lancer un petit buff. Allez, cramez-leur la tronche, enfin, fouettez-leur la tronche, pardon. Même elle est dans leur dos là, on a le mouvement. Pas mal. Vous allez vous tourner par là des fois que d'autres trucs arrivent. Et ici, on va se placer là avec elle. Non, pardon, le tir, excusez-moi. On allume. Allez, ça fait plus mal que ça là. Ils ont de l'armure quand même. Ah oui, 4 d'armure quand même. On va aller les finir avec les séraphines. Enfin, les finir. C'est pas dit, mais. Ok. Ça se fait, ça se fait. Allez. Ok, donc là, ça c'est géré. Maintenant, ces deux-là. Il va nous falloir un petit peu de force de frappe. Hein. On va y aller avec le Rhino. On va se placer avec les flagellants bah, carrément sur le côté, puisqu'on peut. Tiens, j'aurais peut-être pu lancer un petit truc. On va se mettre là. Avec elle. Et eux du coup, ah, ils peuvent pas se déplacer en diagonale là malheureusement, donc ils ont pas le mouvement, c'est bien dommage. Donc on va les mettre là uniquement pour qu'ils aient la zone de contrôle, ce sera toujours ça de prix. Alors les sœurs de bataille, l'idéal ça serait de les mettre là pour qu'elles fassent une attaque, mais du coup on va... Les 15% de dégâts vont pas être utiles je pense, on va se contenter là de d'attaquer directement. Maintenant elles sont vétérantes hein. Grâce à leur combat.
Ok, on va faire l'attaque ici. Pour les commencer à les picoter un petit peu. Et toi, avec ton épée tronçonneuse, vas-y, pulls-en un. Deux, très bien, parfait, ça me va. Un deuxième, enfin deux autres. Ouais, j'aurais dû commencer par ça vu qu'elle fait 80. Ils auraient pu se concentrer sur les autres. Oh bah elle a eu le. La foi et fureur. Du coup, on va plutôt aller taper là. 105 plus 50, ça tabasse un peu. Donc là on n'a plus de mouvement, on a dit, là on a fait nos actions. Alors toi, qu'est-ce que tu nous proposes? 91%, 18 fois 1-2. Et toi, 81%, 40 fois 1-2. Ok, donc on va tirer là-dessus avec elle. On entend bien le bruit de l'armure qui résiste. Hein. Allez. Sale bête. On va se mettre là. Et on allume. Alors je garde mes munitions bénies si jamais il y a un truc un peu plus gros que ça qui passe. On a celui-là qui va aller, je pense, en renfort ici. Avec la sœur supérieure. Et on va mettre également l'hospitalière. Par contre, la sœur de bataille, là. J'aimerais bien qu'elle aille filer un petit coup de main par ici. Parce qu'on est quand même on a un petit peu de mal à les finir là. Donc on peut leur tirer dessus. 71%, c'est honnête. Hein. On va essayer de terminer celui-là. Allez, voilà. Ok, une unité de moins déjà. Lui, s'il essaie de reculer, il se prendra des bonnes attaques au corps à corps. On va leur laisser une Séraphine pour qu'elle ait une surveillance. Ok. Ils sont un petit peu exposés, mais bon, c'est la vie. L'hospitalière, ici, il n'y a rien à... y a rien à taper, hein, donc on va garder la zone. Il reste toi qui as un point d'action, donc si jamais les trucs approchent, vas-y. Ah, et on a ceux-là aussi. On va les avancer en couverture là, sur le flanc. Ils seront très bien. Il n'y a plus que... C'est parti, on passe le tour. Alors, il y a un truc, est-ce que c'est une artillerie pour qu'il reste derrière? Ah, là, on a une petite merde là. Dans la vache, on dirait un mangeur d'âmes de cornes. Ok, il se replie comme prévu. On en tue un. Est-ce qu'on a une deuxième action? Ouais, une deuxième zone de contrôle, parfait. Ouf. Submergé, attaque de repli. Il s'est raté, il a pas réussi à se replier. Parfait. Puis, on va pouvoir le terminer à l'ancienne. C'est pour qui? C'est pour toi. Fais-toi plaisir. Alors, à première vue, il n'y aurait plus rien ici. Là, on a quoi? Un destroyer Erxmarx. 240 PV, il a un pistolet désintégrateur avec une portée de 2, ça va. Donc, il faut qu'il s'approche quand même pas mal s'il veut attaquer. On est du coup plutôt bien placé, hein. Donc on va couvrir le flanc ici, toi tu vas venir là. Et tu vas couvrir l'avancée. Et puis derrière, on voit un truc là. Des guerriers ici, ok. On va le laisser s'approcher un peu. Le temps de ramener nos copains, éventuellement de les soigner. L'objectif ça va être de défoncer celui-là, il a quand même 6 d'armure hein, donc on va pas non plus faire de miracle, mais il va vouloir s'approcher. On grimpe. On grimpe.
Hop, avec notre rhino, on avance au maximum. On décharge. Bon, elles ont fait leur max de mouvement malheureusement, donc elles vont rajouter une petite couverture. On décharge ici. Je sais même pas si c'est vraiment rentable, hein. Elles étaient où, elles étaient là. Ouais, si, on a quand même gagné un petit peu de mouvement. Ça reste relatif quoi. Il faudrait qu'il ait plus de mouvement pour que ce soit vraiment intéressant en fait le rhino. Là il a 4 de mouvement. Du coup là vous avez tapé, non c'est vous qui avez tapé, on se replie. Les séraphines, on va pas cramer leur vol pour ça. On se replie ici. On va juste se tourner de l'autre côté. Si jamais il y a des trucs qui ont l'air de vouloir louer au con. Comme dirait l'autre, donc il n'y a plus qu'eux qui ont des points de mouvement, c'est parti. Ah, ça bouge encore ici, on dirait. Ouh, il y a du peuple, hein. Il a l'air de vouloir faire un peu un mouvement de contournement. Cher, hein. On arrive quand même à lui faire bien mal. Je pense pas qu'on va le finir. Mais ouais, une dernière surveillance et ça pourrait passer. Hein. Il attaque même pas. Ouh, bah dis donc. Coucou. Attaque pas. Non, il y a la quantité, hein. Il y en a encore qui bougent par là-bas. Ok, ils ont pas attaqué, donc on a l'initiative, ce qui est plutôt cool. Là, on a beaucoup de guerriers, donc je pense qu'on va effectivement avancer avec nos trucs. Là, on a un très très beau lance-flamme. Donc on va clairement pas se gêner. Hop là, ça c'est fait, il y a deux unités qui ont survécu. Ça fait le taf quand même. Alors toi, il faudrait qu'on te défonce. Tu fais quoi toi? 3-4 de dégâts. C'est pas ouf. Donc t'attaques, tu ferais 8 fois 1-2. Ouais, donc c'est pas suffisant. On va se replacer genre par ici pour pouvoir avancer en ligne après. On va prendre nos munitions bénies pour pouvoir assurer de le terminer lui. Voilà, un de moins. Ça fait 13 points ça quand même. Ok, il y en a un autre ici qui est en plein milieu du tas. Eux ils font quoi dans leur vie? Faucheurs d'hyperphase, ils ont 3 points de mouvement seulement, hein. C'est pas ouf. 40% de chance de réanimer jusqu'à un modèle de cette unité. Ah, ok. Est-ce que les guerriers ont ça aussi? Ouais, donc ils peuvent se relever si on les finit pas, intéressant à savoir. Alors avec 3 de mouvement, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Pour l'instant ils sont a priori pas problématiques ceux-là. On va commencer à entamer avec le rhino. Donc il faut pas qu'on s'approche trop, hein. 1, 2, 3, en gros faut qu'on reste ici quoi, grand max. Plutôt pas mal, on peut aller déjà ici. Toi du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, on pourra peut-être nous choper là, on va voir. Déjà on est de flanc donc on va, voilà, électrifier un petit peu la tronche. Toi t'aurais moyen de mettre du soin peut-être si eux ils avançaient là. Ah, ils sont coincés pour le moment.
On va peut-être se replacer du coup. Ouais. On va se replacer là. Eux sont libres d'avancer maintenant, ce qui est plutôt cool. Si je me mets là, est-ce que je peux les attaquer? Oui, si je me mets là, du coup, je peux encore plus les attaquer. Je peux même aller jusqu'ici les attaquer, mais alors il est un peu seul là, du coup. On va le faire quand même. Ça va mettre de la zone de contrôle. Oh, ils réagissent eux. Ok, très bien. Quand on les attaque de face, eux, ils ont réagi. Intéressant. On peut aller là-bas. Alors, planifions. Vous, vous pouvez aller là-bas. Allez-y. J'aurais même pu lancer un petit sermon là. Allez, on va finir cela. Hop, ça fait de la place. Bim. Et bim. Parfait. Nickel, du coup on peut aller jusque là-bas. Toi tu peux avancer un peu pour couvrir ta sœur de bataille. Ensuite ici, on a dit que ceux-là, il faudrait qu'ils avancent un peu, donc on va reculer avec elle pour avoir un tir dégagé. Lui ils peuvent aller jusqu'ici ceux-là, par contre ils vont être face à l'ennemi. 1, 2, 3. Là je pense qu'on va on va être à portée avec ces flèches en l'an là. Ici on a 80%, on prend. Faut qu'on le finisse lui. Là du coup on va soigner. Parfait. Prendre l'attaque plus contre-attaque. Il nous a raté, encore mieux. Et du coup on peut le finir avec ça. Peut-être pas en fait. Non, absolument pas. On peut absolument pas le finir avec ça. Autant pour moi, on va devoir y aller à l'ancienne. Alors peut-être plutôt avec toi. Ouais, go. Allez, pas la peine de prendre une compétence pour ça. Là on va aller un petit peu en renfort par ici. Ici on utilise nos points d'action. Il riposte mais c'est très relatif. Alors faut essayer de les finir si on veut éviter qu'ils se relèvent. Donc on va tirer avec nos petits pistolets. Je suis pas convaincu que ça suffise. Ah putain, on n'a pas réussi. C'est pas grave. Est-ce que ça vaut le coup? Là j'aurais bien voulu me mettre en... Allez, on allume. Si on les endommage et qu'on sent les tuer, ça rentre pas en compte hein, le truc qui fait qu'ils peuvent se régénérer. Ok, on va te mettre toi là. On va vous demander de finir cette unité là. C'est un peu over abuse hein, mais deux unités à 1 PV c'est la vie. Et ici on va couvrir contre l'avancée de ceux-là. Toc. Là il nous reste un peu de mouvement. Toi c'est pareil, faufile-toi par ici. Toi il te reste encore du mouvement aussi, donc viens par là. Ici on va se mettre là-bas. Là on va couvrir la zone et du coup eux ils peuvent bouger encore, donc on va les déplacer pour éviter qu'ils soient à portée. Et il nous resterait elles éventuellement qui peuvent bouger un peu, mais elles sont bien là je pense. C'est parti. Ah, ils se régénèrent quand même, pas cool ça. Ah, ils ont tenté une charge les salauds.
sont obligés de s'arrêter. La deuxième surveillance, parfait. Bon. Maintenant ils sont bien nos contacts. Hein. Là ils tentent de sortir, on va en profiter pour les taper un peu, ça mange pas de pain. Ouf. Nous ont défoncé en se repliant les salauds. Intéressant comme move. Alors là, c'est pas ouf hein. Alors est-ce qu'on peut caler un petit truc intéressant là. Si je les mets là, ceux-là seront à bonne portée. Donc on va claquer le serment de combat là. Là malheureusement on n'a plus nos munitions, mais on a notre petit bonus de dégâts. C'est parti. Là par contre on a les munitions. Défoncez-les. Ça va, c'est pas si mal. Maintenant, il va falloir que malheureusement, on prenne les zones de contrôle face à eux. 150 PV quand même, si c'est les enfoirés là. Il va falloir y aller. Ils vont contre-attaquer, hein. Ouf, ça fait mal. Ici. On a 91% là, on va les diminuer un peu. Le rhino pour l'instant il est assez faible, hein. Faut pas se mentir. Est-ce qu'on a des choses à soigner? Éventuellement plutôt par là-bas. Là si je bouge, on a une zone de contrôle. Ouais, on a une zone de contrôle. Donc si on bouge, on se fait prendre. Donc on va taper sur ceux-là. On les tient au corps à corps pour le moment, en plus on est de côté, c'est parfait. Les séraphines ici, il irait bien les placer là en vrai. On est à 59 hein, de charge. Là on peut caler un lance-flamme là, ça serait pas mal ça. Est-ce qu'on envoie les deux là, mais le problème c'est que on peut mettre qu'une seule attaque. Par contre on a 5 de mouvement, donc ça veut dire qu'on peut se mettre là, attaquer. Ensuite on bouge. Ah putain, ils ont ressuscité, d'accord, donc c'est pas c'est après les attaques qu'ils peuvent ressusciter des unités. Donc les unités de tout à l'heure qui étaient remises debout, en fait c'est juste qu'elles se sont relevées, d'accord. Très bien, je vous en prends bonne note. Ok, ici on est bien stacké, on va balancer un petit truc de la foi, et ici on les attaque avec notre bonus. Oh la vache, il en reste un PV encore une fois. Et du coup il y en a un qui se relève. Sale bête! Ici, on y va au lance-flamme. Ok, maintenant il nous reste les sœurs de bataille. On va activer là nos petits tirs améliorés. Il n'y a pas photo. Faut qu'on les défonce. En plus, surtout s'ils se relèvent, ça va être très relou. Ouais. Ça va être très relou. Allez, essaie de les finir toi avec ta petite épée là.
Alors attaquer celui qui était le plus faible, je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon. C'est celui qui était devant, on va dire. Là, on a tout claqué. Donc on va pas bouger. On peut se mettre par ici éventuellement pour le prochain tour. Ici. Tu pouvais les terminer. Mais tire sur celui qui a des PV, sérieux. Merci. Bon, tu peux pas le tuer. On va te placer pour un petit soin éventuellement au prochain tour. Je pense que ça va être au Séraphine de terminer cela là. Donc là on va essayer. Est-ce que si je me place là, la machine me bloque? Non. Donc c'est parti, on prend ça, on allume. Allez, faut les allumer là, il reste un PV lui, voilà, avec un peu de bol il se relève pas. C'est bon. Il se relève? Non, il se relève pas. Toi, tu peux aller au corps à corps. Vas-y. Il y a moyen de leur faire mal. Parfait. Une unité de moins déjà, c'est nickel. Oh, il se relève encore. Bah du coup, on a notre fureur et foi qui s'est activé. On peut donc lui redécouper la tronche. Ces cadeaux, ça me fait plaisir. Ici, on n'a pas de zone de contrôle. Hein. Non, on n'a pas de zone de contrôle. Parfait. On peut allumer ça. Allez, 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 ça passe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'il se relève? Non. Parfait, du coup. On va se placer là, comme ça on gagne une case pour le prochain tour. Et on allume à 100% de chance. Parfait, et on est à 80, bah écoutez, nickel. On gagne nos 3 points. Lui n'aura même pas l'occasion de nous taper, on n'a rien perdu. Franchement c'est plutôt propre. Une belle petite bataille, et du coup on passe à 1700 points d'armée en n'ayant rien perdu, c'est plutôt très cool. Donc on n'a plus de points d'action pour renforcer, mais on va pouvoir le faire au prochain tour. C'est parti, on passe le tour. Alors eux qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils s'étendent par là pour gagner leurs petits points également. Stratégie de l'orque, hein, ils foncent en ligne droite. Le Necron, qu'est-ce qu'il fait? Il s'améliore son armée et il avance. Ok. Ouh, il a gagné 1800 du coup de points d'armée là. Alors, des améliorations sont disponibles et des cases non revendiquées à portée de main. Oui, bah oui, certes. Donc là, on va aller chercher celui-là. Alors, on va renforcer du coup. Alors, il se serait bien qu'on reprenne une petite machine comme ça, là. Un neutrino, c'est pas forcément pertinent. Est-ce qu'une deuxième hospitalière serait utile? Je suis pas sûr. Encore une sœur supérieure? Non, il en faut deux max. Et un deuxième soin, après, ça reste quand même pas dégueulasse, hein. Ok, on va prendre ça, mais pas plus pour l'instant, on va attendre d'avoir d'autres unités. Et on ira chercher ça, mais lors du prochain épisode, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.